Alors, capture de jeu. Il est où capture de jeu? Là. Balabala. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est bon, ça marche. Qui veut participer? On y va, on a un quart d'heure, ça va être chaud. On va dépasser un petit peu. Alors en plus, après, c'est du Burger Quiz, on va pouvoir faire qu'une partie, je pense. Hein. J'avais prévu deux parties de Burger Quiz, mais à mon avis, on va pas pouvoir... Je pense qu'on pourrait dépasser. La dernière partie du live, c'est moi en vocal. Alors, il y a deux équipes. Toi en vocal, Nassim, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Une partie de apprendre ou à laisser en vocal avec ce cher Nassim. Je te laisse me rejoindre sur le salon gaming. Coucou Nassim. Coucou, attends juste deux secondes. Parce que tu vas très très fort dans mes oreilles. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon, c'est pas trop fort. C'est bon. Non, c'est parfait. Cool. Ok, alors on va jouer à un jeu standard avec un nouveau joueur. Il s'agit de Nassim. On est parti. Et du coup, coucou le chat. Oui, coucou le chat. On applaudit Nassim dans le chat, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, je te laisse choisir la boîte de ton choix. Eh bien, je vais prendre la boîte numéro 7, comme d'hab. La boîte numéro 7, où se cache-t-elle la Lorraine? C'est parti. Ouais. Ouais. Voici les sommes contenues dans les 24 boîtes, entre 1 centime et 1 million d'euros, à savoir que si tu gagnes 1 million d'euros, je convertis ces 1 million d'euros en 1 million de pépettes, bien sûr. Presque de quoi rattraper Chisei. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Faudrait gagner plusieurs parties quand même. Plusieurs, ouais. Alors, le jeu commence, tu vas devoir éliminer 6 boîtes avant le premier appel du banquier. Oui. Quelle est la première boîte que tu souhaites éliminer? Alors, je vais éliminer la numéro 18. Haute Normandie, on dégage direct le modo. Svetlia, tu sors avec 1 centime, ouais. Ouais. Merci Svetlia. Merci. Oula. Jouer la petite danse. Alors on peut faire qu'une seule participation Gamer Pro sur ce jeu. Tu participeras éventuellement au Burger Quiz si tu souhaites. Une deuxième boîte pour toi Nassim. Je vais retirer la Bretagne, la numéro 17. 17, la Bretagne, elle contient 5 euros. Ouh. Bravo. Quel déhanché de la part de la Bretonne. Il reste 4 boîtes à ouvrir. Je vais prendre la boîte numéro 5, pays francophone. Pays francophone, la boîte numéro 5, mon chiffre préféré. Y a-t-il une petite somme dans cette boîte? 50 euros, bravo. Ouh. Ça change de vilain croco hein, qui élimine que les grosses boîtes dès le début. Pour l'instant, j'ai éliminé que du bleu. Je vais toucher bravo. Du bois, attends. Ouais. Voilà. Encore 3 boîtes avant l'appel du banquier. Alors, je vais prendre la 22 Île-de-France. 22 Île-de-France. Je ne lis pas le chat. Hein. Moi non plus. Pour leur vie. Aïe. Aïe. 200 000 euros. Ça, ça fait mal. Alors, encore 2 boîtes. Encore 2. Je vais prendre l'Alsace, numéro 15. La numéro 15 contient la somme de 250 euros, bravo! Toutes les petites, faudrait virer la boîte à 1 euro avant l'appel du banquier. Oui. Ce serait bien.
Eh bien, là je lis Arox, du coup, les pays de la Loire, c'est le numéro 2. La numéro 2, pays de la Loire, le petit blondinet, qu'est-ce qu'il a dans sa boîte? 100 euros, bravo! Le chacal appelle, aïe! Que va-t-il nous proposer? Le banquier te propose pour sa première offre 45 000 euros. Je vais refuser. Tu refuses? Carrément. Une fois, deux fois, trois fois, tu laisses? Je laisse. Il laisse, les amis, bravo. Allez, du coup, on y va. 5 boîtes à ouvrir avant la prochaine offre de la banque. Alors, 5 boîtes. Je vais prendre le Nord-Pas-de-Calais, numéro 11. Numéro 11, Nord-Pas-de-Calais. 75 000 euros. C'est pas la plus grosse. Ça va, c'est en plein milieu. Il y a toujours des grosses boîtes. Attention de pas taper dedans. Je vais essayer. La Bourgogne, numéro 1. Bourgogne, boîte numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de la Bourgogne? Il y a 500 euros. Ça va. Yeah. Que du bleu, c'est bien. Ouais. On se croirait chez Nagui. Chez Nagui. Allez, encore 3 boîtes. Alors, 3 boîtes. Je vais Bienvenue prendre à ceux qui arrivent. Numéro 21, Franche-Comté. 21, Franche-Comté, avec sa petite mèche rose. Est-ce qu'elle va te porter bonheur ou malheur? 10 euros, bravo. Ouh. On t'aime bien, toi. Voilà, vas-y, danse, bouge ton corps, ouais. Ouais. Alors, encore 2 boîtes. Encore 2 boîtes. Le champagne, ce sera pour après. Je vais prendre la numéro 12, l'Auvergne. Numéro 12, Auvergne, contient 100 000 euros. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, il y a encore beaucoup de boîtes au-dessus. Mais ça fait mal, effectivement. Ouais. La dernière avant l'offre de la banque. Allez, la région PACA, la numéro 23. Numéro 23, PACA. Région. Il y a 300 000 euros. Ah, ah, le banquier va te rironner, ce chacal. Que va-t-il te proposer? La deuxième offre de la banque. Le banquier te propose 52 000 euros. Tu as la possibilité d'effectuer un sondage parmi les participants. Je pense que je vais demander l'avis du public au prochain appel. D'accord. Que décides-tu? Du coup, tu laisses? Je laisse. Il laisse, les amis, waouh! Allez, 4 boîtes à ouvrir avant le prochain appel. Alors, le numéro 3, centre. Numéro 3, centre. Dans la boîte numéro 3, il y a... Oh! Il y a 1 million d'euros! Non! C'est terrible! C'est terrible! Bon, la boîte la plus grosse maintenant, c'est 500 000 euros. Il te reste encore 3 boîtes à ouvrir avant le banquier. Je vais ouvrir la Basse-Normandie numéro 8. La Basse-Normandie, ma région. Le banquier va s'en donner à cœur joie, tu m'étonnes. 5000 euros. Et toujours la boîte à 1 euro, il va se foutre de notre gueule. Ouais. Allez, vire-moi cette boîte à 1 euro. Il reste 2 boîtes avant l'appel. Alors... Bye bye la villa. Bye bye la villa, ouais. Le Poitou-Charentes, la boîte numéro 13, va-t-elle te porter malheur? 15 euros, oui. Ouais, danse, Malèle. Ah, danse.
Allez, on y va. La dernière boîte avant l'appel du banquier. Encore une bleue. Allez, la 16 Rhône-Alpes. La 16 Rhône-Alpes. As-tu la boîte à 1 euro? Elle nous dit que oui. Mais non! Elle a la boîte à 500 000 euros. Ah, la sale bête. Ah, juste avant l'appel du banquier, ça fait mal. Ça fait très mal, ouais. Ça fait très mal, effectivement. Va-t-il te proposer plus de 52 000 euros? Non, 19 000 euros. Oh. Oh. La chute est terrible. Je vais prendre l'avis du public. L'avis du public. Dans le chat, vous pouvez également donner votre avis. Nous demandons aux autres candidats ce qu'ils en pensent. Ça laisse, ça laisse, ça laisse. Personne pour l'instant. Personne, absolument personne. Tout le monde laisse l'offre de la banque. Allez, je vais laisser. On suit les copains et on laisse. Bravo. Trois boîtes à ouvrir avant l'appel du banquier. Alors, 4 Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, la boîte numéro 4. La boîte numéro 4 contient 20 euros. Oh là là, ah, il y a la saleté de boîte à 1 euro à ouvrir. Oui, ouais. Magnifique danse, ouais. Chorégraphie. Je parie que c'est la 7. On peut pas l'ouvrir tout de suite, c'est con. Non. Alors, je vais prendre la 24, l'Aquitaine. 24, boîte de l'Aquitaine. La boîte numéro 24 contient 10 000 euros. Oh. Oui. Oh, ça va, c'est du bleu, c'est du bleu. Il en reste qu'une, c'est celle à 1 euro. C'est terrible. La 7, tu vas voir. Il reste du bleu. Allez, vire-moi cette boîte à 1 euro, Nassim. La Picardie, numéro 9. La Picardie, boîte numéro 9. Est-ce que cette boîte contient les 1 euro indésirables? Oui. Oh. Bravo. Ah. Bon. On peut envoyer chier le banquier maintenant. À moins que l'offre d'échange de la banque t'intéresse. Ah, le banquier a senti ton doute sur la boîte numéro 7 et te propose un échange avec les autres boîtes. Mmh. Est-ce que tu décides de garder la boîte numéro 7? Je me demande ce qu'en pense le chat. Alors, Gamer Pro te dit de prendre l'échange, apparemment. Les autres sont morts, apparemment. Lorex te dit de la garder. RP Gamer te dit de la garder. C'est la boîte de la chance. Démerde-toi, Nassim. Quel salaud. Garde. Allez, c'est quoi échange? Bah, c'est un échange de boîte. Voilà, on garde la boîte. On garde la boîte. On garde la boîte. Non, j'ai mis échange. Non. Oh, le con. Non. J'ai mis oui. Je peux pas faire retour. Oh, le con. Je peux pas recliquer sur la 7. J'espère qu'il te reproposera un autre échange. Quel con. Même RP le dit. Mais qu'il est con. Alors attendez, je note que tu avais la 7. Si l'échange fait que tu gagnes moins que ce qu'il y avait dans la 7, je te donnerai ce qu'il y avait dans la 7. Ça marche. Vu que c'est de ma faute. Et t'auras un dédommagement en plus de ça. Ouh. Ouh là là. Alors ouais, comme dit Lorex, j'ai doublé et prendre la 14. Ok. Le banquier propose une deuxième offre. Échange. Échange. C'est déjà arrivé, hein. 32 000 euros.
Ah, est-ce que t'aurais pas foutu les jetons au banquier? 32 000 euros. Ouais, je veux dire, comme RP, je vais laisser. Je clique sur le bon bouton cette fois, j'ai peur. Ouais, ouais, c'est bon, c'est le bon bouton. On laisse. RP, je te fais confiance, hein. Allez, maintenant, on ouvre les boîtes une par une et à chaque fois, le banquier fera une offre. Alors, je vais prendre la boîte... Enfin, je vais ouvrir la boîte numéro 19, Limousin. La boîte du Limousin numéro 19 contient 20 000 euros. Ok. Le banquier propose... Cette fois-ci... 37 000 euros. Il a de plus en plus peur, ce banquier. Je remarque. A-t-il peur ou est-il en train de te tendre un piège en te proposant 37 000 euros alors qu'il y a 150 000 euros dans ta boîte numéro 14? Je me pose sincèrement la question. Mais je pense que je vais laisser l'offre. On laisse l'offre de la banque. Casse-toi, banquier de malheur. Allez, ouf, oust. Rentre chez toi. N'oubliez pas d'ailleurs. Reste chez toi. Reste chez toi, c'est ça. Il est en télétravail, ce fourbe. En télé-escroquerie. Allez, on y va, une boîte à ouvrir. Alors, la numéro 10, Languedoc Roussillon. Merci, elle fait bon. Languedoc Roussillon, boîte numéro 10. Est-ce que tu vas porter bonheur avec ton t-shirt on sait même pas c'est quoi cette couleur. 50 000 euros. Ah, oh, mais reste chez toi, ah. Toi aussi. Ah là 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 là. Je vais me faire moins de 30 000 là. On t'en voudra pas si tu arrêtes avec une belle 37 somme. 37 000 euros. Ah. Pourquoi n'a-t-il pas changé son offre? Il a peur, c'est toi qui as les 150 000 euros. Il flippe. Je pense. Il flippe sa race. Je pense. Allez, on laisse. Soyons joueurs. On est ici pour jouer. On laisse l'offre de la banque, bravo. Quel courage. Merci pour vos compliments dans le chat. Moi, je vous aime. Fais-toi des bisous. Oh, que je suis beau, merci. Parfait. Parfait. Ah oui, Lorex, il l'a, ouais, il est content. Hein. Alors, je vais ouvrir la boîte numéro 20, la Corse. Ah, melon, ça marche plus. La boîte numéro 20, est-ce que les Corses vont être méchants avec toi? Oh, j'ai peur. 150 000 euros. Ah, restez chez vous aussi. Oh. Malheureusement, le banquier ne risque pas de te reproposer 37 000 euros. Il te propose 23 000 euros. Le banquier a bien joué, il fallait l'écouter. Quitte à... on va continuer à jouer. Foutu pour foutu, on laisse la banque de côté, on continue c'est à jouer. Ça. On continue. Ouvrons des boîtes. C'est ça. La dernière boîte que tu vas ouvrir avant de savoir ce qu'il y a dans la boîte numéro 14. La Champagne Ardenne numéro 6. Champagne Ardenne, boîte numéro 6. Est-ce que tu es notre amie, petite fille? 25 000 euros. J'ai tellement envie d'être vulgaire. Ah, c'est terrible. 15 000 ou 30 000 euros. Que reste-t-il dans cette boîte de malheur? La banque propose 22 000 euros. Waouh. Est-ce qu'il essaye de faire des économies, le banquier? Est-ce qu'il essaye de gruger 8 000 euros? Ah, c'est une bonne question. Ah la vache. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais foutu pour foutu, on laisse. Tu laisses? Ouais.
Il laisse, les amis. Il laisse. Il est fou. Aïe, aïe, aïe. Ouvrez votre boîte. Il pense que je suis calculateur, je crois. Je vais ouvrir ta boîte dès que tu me diras top. Roulement de tambour. La pression monte dans le chat. Ils ont peur. L'animateur Steamy est généreux. 3, 2, 1, on ouvre. Oui, 30 000 euros. Oh, j'ai bien fait de me gourer de boutons. Oui, quand même. Bravo. Félicitations. Tu aurais pu repartir avec 52 000 euros. Tu as conclu trop tard avec la banque. Mais félicitations, tu remportes 52 000 pépettes plus un bonus, bien évidemment, puisque j'ai fait une grosse bourde. Merci. Alors, Nassim. $152 000 pépettes, rien que pour toi. Félicitations. Ouh. Oui. Merci plein. Merci à toi, merci à tout le monde pour vos folies. On va faire le giveaway et puis on va partir sur Burger Quiz, bien sûr.